trouvez vos camarades, restez près de Daniel. Bah écoute, du coup, censé être juste là, c'était la maison à droite, je crois. La nana qui me ah oui, je crois bien, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça? C'est pas bon signe, c'est sûr. Comment l'électricité, du coup, là? Il n'arrivera rien. Attends, c'est quoi, à gauche? T'as quelque chose? Ouais, ouais, il y a plein de choses. Ok, j'arrive. Une prémonition, déjà. Ah. Par rapport à une mort possible? Ouais. Effectivement. Attends, j'arrive. Poupée vaudou. Et pourquoi elle a disparu, cette poupée? Je te laisse regarder. Ok. Ouais. Massacre de la remise des diplômes. Qu'est-ce que c'est que... Ouais, tu vois ce que je vois là? Attends, je clique dessus. C'est quoi? Le jour de la remise des diplômes dans 1690, tandis que les puritains fêtaient la fin de la scolarité des jeunes hommes de la ville, une armée de Français et d'Amérindiens attaquèrent brûlant plusieurs maisons. 8 hommes furent tués et plusieurs femmes et enfants furent emmenés et réduits en esclavage en Arcadie. Le destin de ces esclaves demeure inconnu. Marie Abdeline. Marie, elle était du coup devenue esclave? Ouais. Est-ce que c'est en... C'est quoi son nom de famille? Est-ce qu'il y a plusieurs hommes Marie? Merci, Newcomen. Les hommes qui ont été tués. Hop, Michael. Martha. Ça me dit un truc, Martha, non? Ah, je pourrais pas te dire. Non? Ouais, ça se trouve, Francis. Ouais. John Titus. D'ailleurs, petit rafraîchissement par sécurité. Non, dans le lit, ça me dit rien. Peut-être qu'on retrouvera peut-être après. Ah, c'est peut-être. Sans les sans visage, c'est peut-être eux qu'on a vu au musée, non? Ah, c'est possible. Tout est possible en même temps. Je comprends, okay. Mais rien, toute la soirée, c'était n'importe quoi, depuis qu'on a eu l'accident. Merci de veiller sur moi. Cette soirée de merde serait encore pire si t'étais pas là. On est là l'un pour l'autre. Ouais. Alors, T. Johnson House. T. Johnson, c'est qui déjà? T. Que nul. Desosways. Attends, je vais nettoyer, merde. 1856, what? Cette maison vivait une histoire à elle, c'était pas un conte de fées. On dirait bien. Ok. Elle est morte des conditions mystérieuses en 1858. Ok. Et toi, il y a quand même un office du touriste, tout ça. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Non, non, continuez sur la route. Ok. C'est surprenant, monsieur. Vous voyez où? Allons-y, Pepper. Mais c'est censé être par ici, les autres. Attends, j'espère je vais pouvoir gauche, demander pardon à droite. Ah ouais. Ok. Il y a tellement de trucs qui nous sont tombés dessus ce soir. Là, il n'y a rien. Alors, dope tour... c'est l'office du touriste, justement. Ok. Qu'est-ce que c'est? Banque, quoi? Foreclose, banque. Ah, c'est visiblement, on est les premiers touristes à venir ici depuis un bail. Qu'est-ce que des touristes viendraient faire ici? On dirait une vraie ville fantôme. On peut pas y aller? Non. Ok, pour que les trucs de l'État... Enfin, j'imagine, du coup, c'est... Ouais, l'office de touriste, c'est pas privé, c'est public. Pour qu'ils se pètent la gueule. Ah, y'a le corbeau. Pourquoi on va avoir peur? Non. J'en sais rien. Une vraie ville fantôme. Littéralement, monsieur. Oh, je suis calme. T'as peur de ça? Non, je suis détendu. Hey. Ouais. Ah bah ça, je l'ai vu tout à l'heure. Ça, on est à la maison de... Et il s'est passé quoi? De Clark. On va la maison de Clark. Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, regarde. Hé, hey, hein? Hey, pas de panique, tout va bien. Non, ça va pas, tu comprends pas. Tu vois ces étoiles? C'est moi qui les ai peintes sur ce pneu, avec mon père. J'avais quoi, genre 10 ans? Ou alors ils sont vraiment morts? T'es sûr? Parce que comment que ça fout là? C'est ma vieille balançoire.
Qu'est-ce qu'elle fait ici? Admettons que ce soit vrai. Bah, je comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah qu'on est mort. Et tu penses que lui, c'est lui qui aime... Attends, il y a le père, il y en a vieille. Peut-être que c'est pour me faire passer un genre de message. Ouais, c'est logique. Hé, regarde-moi, allez. On va s'en sortir, ok? Ensemble. Hop, putain, sa mère. Ce n'est pas ma faute. Vous devez m'aider, par pitié. Pitié, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Plus un mot maintenant. Seul le Tout-Puissant peut te pardonner. T'avais la cheat à la dix. C'est ton unique espoir de salut. Écoutez-moi, je n'ai commis aucun péché. La poupée qui me condamne n'est qu'un simple jouet d'enfant. Rien de plus, je le jure. Tu ne me tromperas pas. Je vois le mal en toi. Mon devoir est de purger notre ville de ce mal. C'est le seul moyen. C'était horrible cette période. Tu seras pendu. Je prie, Seigneur, pour que tu prennes l'âme de notre pauvre sœur Tabata, qui a été fourvoyée par le démon. Que ta volonté soit faite. Andrew, c'est le prochain. Ah, les traces sur la gorge. Je crois que c'est les traces qu'elle a justement sur la gorge. Ah ouais, peut-être. Mais l'écharpe, quand elle est tombée, Nif. Ah oui, elle était aussi pendue. Pendue. Tabata, elle est morte pendue. La petite, elle est morte du feu. Oh, la femme qu'on vient de voir, c'était moi. C'est mon tour, là, ça y est. Et toi, ça s'appelle Taylor. Elle a un T aussi. Il t'arrivera rien ce soir. Compte sur moi. Merci. Comme Tabata. Heureusement que t'es là. La mère, elle est morte, étouffée par la feu. Faut continuer vers l'église. Les autres sont sûrement là-bas. Ouais, la mère étouffée par le feu, par la fumée, la gamine par le feu, le père écrasé. Écrasé. Et le dernier qui rentre, bah écrasé, enfin il boule dans le feu quoi, écrasé. Empalé, ouais. Et là, il y en a qu'un seul qui a survécu, c'est Andrew. Non, parce qu'il rentre dedans puis il meurt du coup. Non, il rentre pas dedans, il est sorti. Hein? Ah oui, non, il est rentré dedans. Ouais, parce qu'il y a un voisin qui le voit puis dit qu'est-ce que t'as fait, et du coup il se lance dedans. Je sais pas, c'est le seul qui est là, c'est le seul et il est amnésique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. De tout, c'est lui qui a le même visage. J'ai l'impression qu'on est suivi. On est vraiment suivi. Hé! Hey, tire-toi tout de suite d'ici! Dégage de là! Dégage! Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être courir, je sais pas, faites quelque chose. Cours. Cours! Vite! On a l'impression de ta soirée là. Attention. On ne foire pas maintenant parce que vraiment dégueulasse ce machin. Voilà. Ça s'enchaîne. Tout va bien, on assure. T'as le truc comme il nous suit. Mais comment il fait pour nous suivre ce truc? Parce que c'est peut-être toi, non? Mais non, parce qu'elle, c'est la vieille. Non, c'est pas la vieille, ça, c'est la pendue. Ah, c'est la pendue. Ok. Est-ce que tu penses que chaque truc suit? Oui, chaque truc. Bah oui, parce que tout à l'heure, elle suivait. C'est ça. Faut que je fasse exprès de perdre, tu crois? Aucune idée. Non, c'est bon. T'arrêtes pas à fond. Oui, à chaque fois, il suit le personnage. Ouais. Là, je me fais pourchasser par elle. La vieille par la... Bah, la vieille par le truc d'eau. C'est juste. Angela, ça s'appelle encore. On dirait. Taylor. Tu vois, il y a que lui qui a le même visage. Taylor. Et il est amnésique. Est-ce que c'est bien toi? Qu'est-ce qu'il s'appelle par le même visage? Touche dans l'église. Vite! C'est exactement le même visage. Que qui? Tu vois, lui, c'est le seul qui est... Hey! Une de ces créatures nous court après! À l'intérieur, vite! Allez, plus vite! Hey! Vite! Entre vite! Ça devient compliqué, là.
Aider, on l'aide ou pas? Moi, je sais pas hey, l'aider. Ce truc est juste derrière toi! Attends, il est trop con. Il est derrière nous! Oh putain. T'es complètement cinglé! Mais vous êtes dingue! Vous avez envie de vous faire tuer? Entrez vite. Hey! Putain. On prend un peu, mais. Où est Angela? Elle s'est fait avoir. On n'a rien pu faire. Le bâtard. Vous plaisantez? Non, et nous devons empêcher cette chose d'entrer, ou nous la rejoindrons. Merde. Cherchez d'autres entrées et sorties. Fermez-les toutes. C'est terrible. J'ai bien cru que j'allais y passer. Quelle saloperie. C'est bon, tout va bien. Je l'aurais jamais laissé t'emmener. Je sais pas quoi. Non, ne touchez pas! Je ne pensais pas que nous nous reverrions un jour. Là, c'est Andrew, non? Tabata. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous me ressemblez. Qui êtes-vous? C'est la question que je me pose. Il se passe quelque chose qui nous pervertit, même la jeune Marie. Certains jours, Marie est la jeune fille douce et innocente que nous aimons. Mais parfois, elle change. Elle a en elle une malice si puissante qu'elle m'effraie. Je sais pas quoi dire. Il faut qu'on arrête cet enfant avant qu'il soit trop tard. Là, on est dans l'église. Dieu me pardonne, mais j'aimerais que tu sois avec moi, Tabata. Pas Marie. Même dans la mort, elle te manipule. Marie. Son emprise sur toi t'empêche de voir la vérité. Tu changes le sens de mes propos. Notre sœur vit. Elle se tient près de moi. Je sais que tu la vois. Ce n'est pas l'œuvre du mal. David a beaucoup de peine. Il est désemparé. Je ne suis pas perdu. Je dis la vérité. C'est au juge Wyman qu'il reviendra d'en décider. David ne te fera aucun mal. Je te le promets. Je ne suis pas un danger pour elle. Pour rien au monde, je ne mettrai Marie en péril. Hé, minute! Mais quand elle s'est fait pendre, on a vu Andrew. Professeur! Andrew! Quand elle s'est fait pendre, ça y est. À moi. Tu penses que c'est Andrew? Le prêtre, un révérend, quoi qu'il soit, lançait des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Encore un procès? Pas cette fois. Mais ça en prenait la direction. Et la petite? Marie? Ouais. Je l'ai vue aussi. Sommes-nous à l'abri? Quelqu'un a vu d'autres entrées? On n'a pas vérifié? Désolé, professeur, j'ai pas vérifié. Il y avait une seule chose à faire. Ce truc est encore là. Là, regardez. Je vais chercher Taylor. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Si on la suit et que la pente meurt, faut arrêter de la suivre. Gardez la porte, au cas où ce truc revienne. Non. Je vous ai piégé à chaque fois. Ouais, on va voir s'il y a un piège. Ça nous refait nos propres morts qu'on a vues au tout début. C'est possible. Il est mort comment Il est mort pareil, regarde, c'est lui qui aime les jeux vidéo, les... les musiques. Sur le toit. Ah oui, t'as raison. Ouais, c'est celui qui est sur le toit. Là, l'échelle, elle a bougé. Ouais, ça reproduit tout pareil. L'échelle qui bouge. Vers... Hé, petite! Tu es là? Il est mort empalé. Il y a des pics en bas. En bas, il y a des pics, je suis sûr, à 100%. Je les ai vus. Là, il est coincé en haut, c'est tout pareil. Ouais. À nous piège, tu penses? Pour moi, nous piège. Ah, mais
totalement, c'est horrible, putain. Je suis peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour, tu comprendras et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un joug que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi? Le juge Wyman a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Au début, qu'on va être la petite arrière. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. À votre tour. Ça fait que tu t'es mort. Non. Oh non. Regarde. Vois qui tu voulais que j'épargne. Comprends qu'il n'est plus de ce monde. Seuls les démons et le diable résistent à de telles forces. Oh. Le couteau. Le fameux. Ah. Bah, je suis pas spécialiste, mais je pense que t'es mort. On n'a pas réussi à le sauver. Ah, c'est bon. Mort dans la vraie vie? Ah non. Non, c'est dans le passé. C'est un fantôme en fait. De Mbadabou. Il était là. Je le tenais. Il était juste là. Et j'ai rien pu faire. Le club des gens qui se sont vus mourir accueille aujourd'hui un tout nouveau membre. On dit bonjour à Daniel, tout le monde. Ta copine. Hein. Sérieusement? Oh. Tu peux pas être aussi froide, Taylor. Détends-toi un peu, on va devenir dingue sinon. On fait rien de mal. L'histoire se répète. Angela est morte après avoir vu son double exécuté. Taylor a échappé de justesse à cette chose. Si on voit son double mourir, on meurt. Ah. J'ai pas envie de finir comme Angela. C'est mort. Le voilà! Le truc qui nous poursuit! Venez! Il va tomber. Là, il va y avoir l'autre qui va s'ajouter, je pense. Attends, comment on doit faire pour le sauver du coup? L'histoire du couteau, donc le couteau qu'on a ramassé, c'est le couteau qui a servi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec ce truc de. Ouais. Silence. Il est dehors. Je l'entends. Il est dehors, pour le moment. Mais si il décide de venir nous chercher? À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Tu vois, une église, ça peut l'arrêter. Sérieux? Tu crois que c'est un vampire ou quoi? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité, on reste ici. Ce truc me poursuit encore une fois! C'est moi qu'il veut! Vous avez toujours pas compris? Ce truc dehors, c'est un putain de monstre. Faut qu'on fiche le camp d'ici. Pas vrai? Bon, je fais quoi? Tirons-nous, si on part, on crève. Qu'est-ce que je fais? Ça reste, on crève, non? Si on part, on crève ou tirons-nous? Aucune idée. Tu choisis. Oh là là. T'es responsable. Désolé, mais je suis avec eux. Un pas dehors et on crève. Vous avez gagné, mais si ce machin rentre ici, moi je me tire en vitesse. Ok. On comprend pas si c'est la petite ou le prêtre, le méchant. Bah pour moi, c'est le prêtre. Hein. Mais pour. Mais tu te rappelles au début, la petite, quand elle allume le feu. Attends. On a vu un démon Attends. Derrière elle, on est d'accord? Attends, la petite, quand elle allume le feu, on a vu un quand démon. Quand elle fait tomber sa poupée, elle a fait tomber sa poupée qui prend feu. Et ensuite, elle recule et on voit une main, même, t'as dit, oh non, pas ça. Oui, parce que quand elle fout le feu tout ça, elle était pas possédée, mais il y avait quelqu'un.
Un esprit qui était là. Oui, il y avait quelqu'un derrière. C'est quelqu'un qui l'a manipulé. Comme ce qu'on est en train de voir là. Comme ce qu'on est en train de voir. Est-ce que justement, c'est pas le révérend, justement? Il y a moyen, hein. Parce que là, je sais pas. Parce que dans le passé, on voit toujours le révérend qui est derrière, qui la manipule. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle avait pas le, t'as vu, elle avait pas le même nom ouais, dans les années 80, c'est parce qu'en fait c'est pas la même ça fille. Megan. J'ai tellement envie de faire le mauvais et voir tout le monde mourir. Comme le premier, faut qu'on sauve tout le monde, Yves. Ah oh, c'est dur. Ah là, il y a des dessins. Bah déjà la vieille, comment dire, j'ai plus trop confiance. Ouais bon, je voulais la voir mourir depuis le début. Alors, des dessins d'enfants. C'est le QG des sosies ici. Ce prêtre est le portrait craché du révérend taré. C'est vrai? On dirait le même type. Bah il est là, le prêtre. Attends, on monte. Hein. Il est là. Je te laisse regarder. Donc Andrew, ça peut pas être le prêtre alors. Non, Andrew, non. Il y a une pièce là. Et là, il était toujours prêtre. Hein. Est-ce qu'il y a un autre indice sur la photo? Il y a rien. C'est une classe de filles? Non? Ouais, je pense, j'imagine. Il mélange pas. God has forsaken us. Dieu nous a abandonné, il y a marqué dans cette pièce. Bah, en même temps que tu vois la gueule de l'église. Ouais. On dirait qu'il y en a plusieurs. C'est génial, dis donc. The House. Le pasteur du Little Hope. Ok, on voit les différents pasteurs. Edmund Sterry, Solomon's Temple. Andrew O'Connor, Rhys, maître de théologie. Attends, c'est en quelle photo, quelle année tu crois la photo? Aucune idée. Il n'y a pas marqué Le dernier qui était là, c'est John Carrière. Cette carrière, ça me dit quelque chose? Non? L'homme de Skinwalker. Secret serment. John Carrière, le dernier. L'esprit et l'âme peuvent paraître similaires, mais Dieu et Satan capables de séparer le pur esprit de l'âme. Le corps et l'âme peuvent être différentes. Notre esprit est pur, oh Dieu, nous sommes innocents, mais notre c'est âme est composée de type. Ces choses qui entièrent notre cœur. Et rappelle qui nous sommes en esprit. Elles doivent être purifiées. Seules l'isolance et le sacrifice nous garantiront la pureté. Révérend Carson. Tu vois, là, il y a un newsletter là, de 71. 71, tu peux regarder la liste des prêtres. 1971, c'était à côté du tétail, il y avait une sur le mur. Ouais. Alors, sans des parents exprimer inquiétude. C'est la première fois que Little Hope subisse flé, en effet, manuscrit soigneusement caché sous la dalle. Ah, il y a un manuscrit soigneusement caché sous des dalles du presbytère. On a été récemment découvert. Il était recouvert de messages codés qui se sont avérés être. Bah, c'est ce qu'on a vu au musée. Je pense que le pasteur de l'époque s'adonnait à la magie et à la démonologie. Pas trop la liste où aller. Le temps au bois avoir changé, Satan est toujours à l'œuvre. Tournez-vous vers l'église, vers Dieu. Wow, j'essaie de comprendre, mais. Ah, c'est pas toi là? Non, c'est pas moi. Le PNJ qui est sur la fenêtre. Moi je suis Taylor. Ok, c'est là, donc en 71, là où je suis. 71, c'est bien le dernier. Ouais. Ça, ah non, 71, c'est pas le dernier. En 71, c'est Leonard Carson. Qui était remplacé 2 ans plus tard par John Carrier. Ah, les fameux pics. Les munitions. Putain, je me tire des airs. Les pics, Andrew, les pics. Putain, c'est Andrew qui meurt des pics. Il meurt pas, mais est proche. C'est lui qu'il faut protéger, du coup. Pour te cacher, vite! Mais elle va mourir. De toute façon, ils suivent à chaque fois leur double. Là, c'est le gars qui a la épique, justement. Tu vois comment le monde là? Je vois le Gollum qui avance. Et moi, je suis bien rouge. Attends, tu t'aides ou je t'aime pas? Je confonds ou je m'échappe? Comme tu veux. Mais non, moi c'est. Mais non, je m'échappe parce que c'est moi qui me fais attaquer par ça, non? C'est moi qui meurs des piques, non? C'est Andrew qui meurt des piques, ouais. Donc moi, donc faut que je m'enfuis. Ouais. Si je l'attaque, je vais me faire. Et tu joues qui là, toi? Le gars, c'est pas Andrew? Le gars t-shirt rouge?
Si. Non, lui, non, non, c'est Andrew, le gars au t-shirt rouge. Ah merde, bah, j'ai abandonné la chemin alors. Ah merde, j'ai foiré. Ah, allez. Faut pas que tu te choques. Pourquoi l'autre con il reste comme ça au milieu de la place? Putain, putain, qu'est-ce que je fais là? Je te vois te battre. C'est chaud. Ok, attends. Ok, on s'en sort. Oh là là. What, mais ce que je vois moi c'est... Sacré écran noir là quand même. Moi, ça ok, ça charge. Oh non, ça me refait pareil. Vite, j'appuie. Attends. Que je veux jouer. J'appuie aussi. C'est bon. Nifex. 1, 0, c'est bon. C'est bon, c'est débugué. Ok. Je m'enfuis. Ok, il est bon. Je vois des trucs qui volent. C'est un bug ou... J'ai un micro qui vole derrière moi. On va dire que c'est un bug. Mais où tu es? Ça se trouve, c'est moi. Ah oui, c'est... Parce que je te vois plus en fait. Non mais ça se trouve, c'est nous quand on meurt. Nos il faut persos, faire quelque chose. Calme-toi un peu. On doit réfléchir. Oh, mais merde, faire. Il faut ah, oui, jeter l'or. Je te vois... En fait, je te parle mais t'es pas là. Je vois Andrew. Là, je suis avec le gars en ah, rouge. Vous voilà enfin. Oh, maintenant, je vois Andrew. Ah, je suis soulagé. Tu me vois pas? Là, maintenant, c'est bon, délicat. Nous ne sommes pas tirés d'affaires. Ouais. Ok. Là, le prof. Je dois m'arrêter. Bon. Je suis trop vieux pour ces conneries. Faut pas qu'on traîne. Allez, attends. Il en peut plus. Mais il est pas mort, lui, on est d'accord. Sérieux? Non. C'est nous que ces encore. Trucs veulent tuer. C'est pas toi. Faut pas rester là. Je l'ai déjà dit. On reste ensemble et tout ira bien. Comme pour Angela, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, Daniel. Bon, allez. Bon. On va se focus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Personne n'est mort. Je n'en suis pas sûr. Enfin, peut-être la vieille, mais bon, c'est pas très grave. Ouais. Et pourtant, j'ai pas choqué les boutons, c'est ça qui est bizarre. Donc elle doit pas être morte. Normal. Après, elle est peut-être pas morte. Hein. Ouais, justement, je pense pas qu'elle est morte. On va se poser un peu. En plus, on l'a entendu tout à l'heure quand ils sont passés à côté des égouts, il y avait des bruits. Donc c'est qu'elle est encore en vie. Oh, rip. Tu dormais? Comment ça arrive? Oh non. Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on tu a traversé. Tu vois Andrew, là? Ouais. Mais je voudrais bien, je suis mort. Vous avez une idée pour nous tirer d'ici? Faut arrêter la gamine. Mais la gamine, c'est pas elle le problème. C'est John. C'est celui qui manipule la gamine. Je pensais à Marie. Trouver Marie, l'arrêter, ça peut nous aider. Ouais, ok, mais... Qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille? Celle qui arrête pas de nous échapper. Elle doit avoir un lien avec Marie, d'une manière ou d'une autre. Comment ça? Quelle l'autre fille essaie peut-être de nous mener quelque part. Où? La fille de prison. Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça. On peut rien... Parce que celle qui nous manipule, c'est la fille du présent. Je comprends pas. On ne peut rien faire, comment on peut l'arrêter? Il faut qu'on arrête cette gamine. Mais non, faut pas l'arrêter. Mais comment? Elle est peut-être même pas réelle. Et on lui dit quoi? Eh, hey, s'il te plaît, arrête de nous faire psychoter. C'est tout ce qu'il faudra faire. On doit tout faire pour neutraliser Marie. Il ne faut vraiment reculer devant rien. Faut l'arrêter, ce n'est qu'une gamine. Non, c'est qu'une gamine, arrêtez avec cette gamine. Ce n'est pas si simple. C'est pas elle. Comme vous le dites, c'est qu'une enfant. Bah oui, c'est pas elle le problème. Écoute-moi bien. Si on la revoit, on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Hors de question. Je refuse. C'est quoi? C'est juste une gamine qui veut de l'attention. Oh non, ce machin est revenu pour m'achever. Il sort le flingue. Je lui laisse. Sachant qu'il lui restait 4 balles, il a utilisé une, il reste 3 balles. Important. On a actuellement 3 balles dans le pistolet. Et si, il a le chauffeur du bus. Oh, je sais pas, je fais quoi, je lui laisse?
Tu as déjà oublié le vieil homme que tu as failli tuer. Range-moi ça. Mais c'est pas un vieillard cette fois. C'est pas la même chose. Ouais, il a pas tort. Hein. Il y avait le gars du bus, on a cru... Faut faire super gaffe. Hein. Le bus, on l'a pas vu. Hein. C'est un peu le même délire, le bus. Hein. Attention. Je sais pas si je dois tirer, putain. Pour moi, c'est... Non, je tire pas. Je tire pas. Non, tire pas. Il a pas l'air agressif. Putain, j'ai fait flinguer la vieille. Tu pourrais arrêter de pointer cette arme sur moi. Angela. Incroyable. Ça aurait été ironique, c'est moi qui fasse le jeu là-dessus. Je te jure, ce sera incroyable. J'étais sûr qu'on vous avait... perdu. Le bâtard. C'est juste... Enfin... On est content de vous voir. On t'avait un peu abandonné, en Allons, fait. Vous allez me faire rougir. Mais merci. Vous êtes coriace. C'est sûr. Vous êtes une vraie dure. Toute l'équipe est réunie. Vous avez trouvé tout le monde super. Est-ce que tu crois qu'elle a pas été infectée par le... Ce n'est pas moi. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'elle... L'important est de vous mettre en Mais sécurité. Mais lui, je venais de plus en plus quand même. Allez. Ouais, il est sacrément jaune, le monsieur. On a vu d'autres de ces créatures pendant votre absence. La chose qui m'a poursuivi était horrible. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à leur mort. Et apparemment, il y en a plusieurs. Ouais, bah, c'est ce Mais qu'est-ce que c'est que Mais du coup, il est mort comment, lui? Ça ira, devenir jaune. Vos lunettes. Frappé. Ça ira très bien. Il y a un tas de choses que je préfère ne pas voir. Vous avez perdu vos lunettes, mais pas votre sens de l'humour. Bien. Enfin, tu crois que c'est le père? C'était quoi? Ouais, c'est le père. Si, ça me paraît logique. Là, on est tous les enfants. Elle, c'est la mère. La fille, elle est morte pendue. Du coup, là, on a retrouvé le truc pendu. Du coup, comment il serait mort en 1600? Écrasé, tombé, chute. On verra bien ça. Hein. Je vais vous aider. Il y a que lui qui a pas eu. En gros, tu dis? Ouais. Oh, putain. Je m'attendais pas. Non plus. Vite, doucement. Après, il manque un morceau dans la cuisse. Moins vite. Andrew, attends. Il a fait un arrêt cardiaque. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai que tout à l'heure aussi, il était étouffé. Attention, il a des QTE. Hein. Professeur. Bah voilà. Angela, vous êtes où? Pourquoi tu te retrouves tout seul, saleté? C'est toi le tueur. C'est toi qui est tombé. Daniel. Moi, je suis Andrew, là. T'es alors? Attends, Andrew. Ok, je me retrouve tout seul en fait. Ce qui m'arrange pas du tout. Une âme qui jouerait Meuf Six. Vous avez pas une âme? Ouah, c'est chaud. Ouais. Putain, j'ai eu un QTE, là, il était sur rapide. C'était réflexe. Où est-ce que vous êtes? Ah, moi aussi, t'inquiète. Daniel, c'est toi? Ah. Ne tue personne, surtout. Parce que ça va être moi. Ok, je revis en moment du passé. Oh non. Ah non, voilà. Pourquoi vous êtes en train de mourir? Je fais quoi? Je cours le gars qui se fait empaler. C'est comme Après, ça. Après, l'autre, il a un couteau, l'autre. Tiens bon, Taylor, il faut que je l'aide. Ah, justement. Héroïsme. Oh, allez, fais quelque chose. J'ai des vidéos de ouf là, t'as pas idée. Foire pas, ne te choque pas. Taylor. Allez, t'as le couteau, coupe lui la corde là. Elle a le couteau. Tu vas tirer. Oh, vas-y bien. Je tire. On est ici. Wow. Les gens, ils ont pas entendu le coup de feu. Qu'on soit sorti de là indemne, c'est un miracle. Te réjouis pas trop vite. On est toujours coincés dans ce trou paumé. Il
Et ces sales mutants sont encore là. Faut pas qu'on traîne ici. On doit partir, et vite! Il manque toujours le chauffeur aussi. Hein. Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Non. Non. Désolé. On est trop con, visiblement. Les rois. Toi, les 5 cartes, là, par rapport à la famille. Mais ça, on avait compris depuis longtemps, déjà. Les événements, ainsi que les gens, ne sont pas toujours ce qu'on voit. Ce que l'on pense de prime abord. Ça confirmerait ta... Trois exécutions. Ce que tu disais. Trois victimes tourmentées. Et pour l'heure, vos élèves ont tous échappé au pire des sorts. La souffrance éternelle. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Ouais, non, t'as raison, c'est Andrew, clairement. J'ai pas... Il vient de sauver aussi, hein. Ah non, je préfère mille fois la manette que... clavier. Non, manette pour ce jeu, c'est bien. T'as rien à faire, hein, t'as juste des QTE. Les QTE, c'est 10 fois plus simple. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Moi j'avais galéré sur le premier. Ouais, on se rappelle des QTE au clavier que t'avais fait. C'est vraiment dur au clavier. Je suis sûr qu'on parlera pas à la revoir. Restons bien attentifs. Bon. Et du coup, mais si c'était vraiment Andrew, pourquoi, comment, pour quelle raison? Il a sauvé les deux, l'Andrew. Je sais pas. On est vers la fin. Restauration historique d'Ange. Structure instable, site non sécurisé. Oh putain. Toujours plus de problèmes. Ouais, qui va mourir 100%. C'était trop facile sinon. Ah, il y a un truc derrière. Il y a même plusieurs trucs derrière. J'arrive. Alors, on a une carte. Ah, une potentielle mort. Qu'est-ce qu'on a? On voit le démon justement, le... la carte. Donc ça, c'est maintenant. On bloque une porte avec un marteau, un grand marteau, c'est une sledge. Une messe. Et c'est qui est mort là? C'est Mary Milton. La petite, justement? C'est plutôt Mary Milton. Mary était l'une des nombreuses sources d'accusations contre les supposés pratiquants de la sorcellerie. Le révélant Carver, tu vois, c'est Carver. Carver, c'était le nom du prêtre? En 70, là. Avant l'a pris sous son aile afin de l'instruire, de la prier avec elle avant qu'elle ne dénonce plusieurs habitants. À cause de son rôle controversé lors du procès de sorcière, de nombreux habitants se retournèrent contre elle. Sa dépouille fut enterrée aux abords de la ville. Et elle est fou avec un... Ouais. Ok, je vois un marteau. Dans la prémonition. Ouais, toi, les marteaux de sledge. Ouais, avec du sang. C'est déjà bien. On doit aller où? On peut pas passer? Là, non. Ouais. Ah, sur le côté. Venez voir un peu ça! Je trouve ça plutôt joli. Pas vous? C'est un peu bizarre. Un peu. Oh, j'ai un bonhomme, j'ai plus peur! Hein? Attends, mais c'est Andrew? Non, c'est impossible. Moi, c'est Andrew. Je ne crois pas mes yeux. Navré de vous importuner à cette heure tardive. Mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami? Cela concerne Mary. C'était le père? Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vue sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr? Certain. Elle cherche la Mais merde. Elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. C'est vrai que là, il fout le bordel. Hein. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Abraham, il est mort, non? Son frère et sa sœur morts. Mary vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre père. Ouais, c'est son tuteur maintenant.
Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir, je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté en pâtira. Peut-être qu'ils vont la brûler, justement. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Et justement, la petite est morte en rigolant dans les escaliers en brûlant. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie. J'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Tu m'étonnes. Je crois pas qu'exécuter la gamine soit la chose à faire. Elle doit être traumatisée. C'est une victime ici, comme tout le monde. Je sais pas. Mais c'est ça, pour moi, c'est une victime, plus la exactement. Que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante. Ça vous me dit un truc à lui. Qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami. J'ai du mal à accepter Naïf. L'idée que, ce faisant, je condamne une enfant. Ouais, le prêtre, justement. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. Ouais. C'est dur. Et je crois que le dernier révérend qui est dans l'église, c'était Carver. J'arrive plus à dire ce qui est bien ou mal. Plus rien n'a de sens ici. Et après lui, justement, l'église s'est effondrée. Et alors ? Vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Elle est enfermée dans la maison de... C'est compliqué. Ouais. Butez là, mais non ! T'es un monstre ! C'est qui a dit ça ? Et Squall, il veut juste de la violence et du sang. Il faut l'aider, elle a juste besoin d'attention. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé. Je vais pécho, moi. Il y a bien ça va ? Pas vraiment. Des démons du passé ? Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Il y a juste un truc qui m'a étonné. Bon, je me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent. Tu vois, elle se sent pas exclue. Parce que justement, c'est sa famille. On est les 5 membres de la famille. Pourquoi j'ai le choix de rien ? C'est loin d'être fini. Je voudrais seulement rentrer. C'est tout. Combien d'entre nous vous sentirez vivant ? Un ensemble. Je sais pas. Je dis rien. Faut qu'on se mette en route. On baigne dans le sang. Taylor! C'est toi qui a crié? Ouais! Il y a peut-être Taylor qui est en train de se barrer, au cas où! C'est pas très grave. Allez! Et lui, on va se faire avoir. On se dit. Daniel! Suive les bruits, suive le mouvement. Allez, on part pas. C'est bon! J'ai réussi, pourquoi ça... On est en train de crever ? Ouais ? Mais je l'ai fait ? Tiens-toi à moi ! Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas ! Héroïsme, dégage de là. À l'aide. Oh, j'ai fait quoi ? Je crie à l'aide ou je... Ouais, à l'aide. Aide-moi ! Me lâche ! Je te lâcherai pas ! Quel connard, il l'a lâché ! Oh non, elle va crever, on a foiré. Je dois tirer sur qui ? Ça tirait. Le jeu veut que je... Non, en fait, c'est les coups de poing pour me sauver le cul. Ok, j'ai réussi à m'en sortir. J'arrive. Ok, il faut que je sois silencieux tant que je me concentre. Allez. Je choque pas.
les bâtards, ils ont changé le truc. Oh putain, j'ai peur. C'est bon, j'ai réussi. Oh là là. Il faut qu'on y aille, ok? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? On a réussi à s'en sortir, mais miracle. Ouh, coup de pression. Clairement, là. C'est incroyable. Allons voir ça. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. L'histoire, elle est folle, tellement mieux que la première. Ouais, clairement, enfin. Ils l'ont bien écrit, hein, putain. Je comprends toujours pas. C'est impressionnant, vraiment, une tuerie. Et ça, tu sais, du coup, par rapport à la trilogie, si c'est le premier, le 2 ou le 3? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et celui qu'on a fait la dernière fois, c'était le premier ou le troisième? Le premier. Ah. Du coup, on les fait même dans l'ordre. Magnifique. Ouais. Ah là, il y a un truc. Ouais. Ça, c'est la statue qu'on avait vue, non? Ouais, c'est ça. Je vois rien. C'est l'arbre, c'est le petit bout de bois là. Le... Ah, dans l'arbre, ok. Ouais. Ouais, ben. Un bonhomme taillé quoi. Et du coup, ça pourrait être quoi la symbolique du bonhomme justement qu'on a à chaque fois? Alors, je sais pas. Franchement, je suis. Mon cerveau là. Pour moi, ça fait penser justement à un sacrifice. J'en sais rien. C'était le bordel. T'as un avis? J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à m'entraîner dans les bois. Regarde son cou. J'ose pas imaginer ce qu'elle m'aurait fait là-bas. Donc oui, c'est les bon. Les choses tourneraient-elles en notre faveur? Mais l'autre, il est mort. Quoi que nous ayons vu là-bas, ou cru avoir vu, nous sommes toujours en danger. Ton méchant, à toi? Bah, pardon. Moi, je l'ai vu mourir sur... Ah, tu l'as vu mourir? Je l'ai vu pendu. C'est passé notre chance. Putain, j'en sais rien. Est-ce qu'on doit les tuer? Il faut que nous fassions quelque chose. Marie est mêlée à toute cette histoire, ça ne fait aucun doute. Ouais, lui, il aime pas Marie. Hein. Arrêtez Marie. Mais comment est-ce qu'il est mort, mon On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. Il me semble que je l'ai vu pendu à l'arbre, ton méchant. C'est qu'une hypothèse. Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. On n'aura qu'une seule chance. Si on la rate, on l'a dans l'os. Terminé. Alors je suis prête à faire ce qu'il faut. Allez, on va voir. Parce que je crois que au début j'avais le. Oh non, connexion joueur faible. Hein? Connexion joueur faible. Ça peut affecter le gameplay. Ouais, moi ça m'a quitté. Oh merde. J'étais en train de bouger, fais chier. Ah, c'est terrible. Pas maintenant, les gars, on arrive à la fin. Parce que du coup, il me proposait justement de dire c'est bon, c'est fini. Donc effectivement, apparemment, mon monstre est mort. Et du coup, ouais, j'ai plus les traces. Ton monstre, hein. Et du coup, j'ai plus les traces sur le coup. On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est bon, ça a l'air d'être bon. C'est qu'une hypothèse. Oui, c'est bon. Ouais. Non. Ah non. 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 On va regarder. Non. Putain. Je crois qu'on est vraiment bloqué en plus. Bah, ne fais rien. Attends, on va juste attendre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, Andrew doit vivre avec son choix. Bah, ça a marché, non? Il a fait ce qui lui semblait juste. Ouais. C'est tout. Moi, ça bug quand même. Hein. Et pendant qu'il essaie de vivre avec ce choix, nous risquons tous de mourir. Il pense pas à ce qu'il dit, c'est à cause de tout ce bordel. J'ai fait un autre choix. Voyez le bon côté. On est tous en vie, c'est sans doute que l'on fait ce qu'il faut. Ah, fait peur quand même, maintenant. Putain. Oh non. Oh, s'il te plaît, plante pas maintenant. Bon, avec un peu de chance, là, ça a fini la discussion, donc je pense qu'on a rien perdu. On va être... Non. Non, mais je pense pas que c'est grave. Mais non, tu vois. Écoutez, Andrew doit vivre avec son choix. Mais il a fait ce qui lui semblait juste. C'est tout. Non. Tu n'arrives pas à charger la suite, ce con, putain. Jeu à la con. Regarde, la mamie, elle bouge. Tu la vois bouger, ses yeux, vite fait. Oh, putain. Ah, je crois que j'ai mis pause. Ouais, j'ai mis pause.